Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 6 de notre incroyable aventure sur Ratchet & Clank Rift Apart, évidemment toujours sur PlayStation 5, étant donné que, eh bien, c'est une exclue PlayStation 5, comme d'habitude. Un casque ou des écouteurs, mettez en 4K, 60 FPS et on est parti ensemble pour la suite de notre incroyable aventure. Et j'ai lu vos commentaires, vous étiez très très drôles à me dire que cette fois-ci j'avais peut-être un peu trop exploré. Mais écoutez, c'est ça le kiff. Et pour être très honnête avec vous, je kiffe, donc allons au bout. On a le temps après tout, c'est l'été, il fait très chaud. D'ailleurs, pensez s'il vous plaît à vous hydrater au cas où. De quoi s'agit-il? Fantôme, Moy Doy, Capitaine Quantum, Klatsky. Moi. Membre de la Résistance, j'envoie la liste de cibles de l'Empereur sur le réseau. En route, il faut réparer ce communicateur. On a une dimension à sauver avant que l'Empereur nous trouve nous aussi. Ok, on peut donc, cette fois-ci, changer de planète. Alors, Sargasso, c'est fait, c'est validé. Corson V, donc Nefarious City, c'est fait, c'est validé. Et on peut aller au champ de débris de Skarstu et va y aller. D'ailleurs, j'ai pas mal de trucs à trouver. Ah non, on a tout trouvé là-haut. Putain, on est des machines. Là, il reste un boulon en or, une partie de tenue et un petit robot. Allez, on est parti, direction le champ de débris. Accrochez vos ceintures, c'est parti. Le jeu toujours aussi sublime. Quoi est-ce que tu penses? Vas-y, je t'écoute. Je me sens un peu responsable de tout ce qui arrive. C'est peut-être à cause de moi que les dimensions ont commencé à s'effondrer, que Ratchet et moi sommes perdus. Oh, je vois. Et ton communicateur sera bientôt réparé, c'est déjà un début. Oh, oui. Oh là là, c'est tellement féerique, c'est incroyable de couleurs, de détails, de finesse. C'est littéralement sublime en fait, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, en faisant le rendu de ma vidéo hier, je me suis rendu compte d'une chose. Regardez à quel point les détails sont poussés. Matez les douilles qui tombent au sol. C'est incroyablement stylé. Regardez, continue de rouler, elles disparaissent pour certaines ou autres, mais c'est trop, trop, trop stylé. Franchement, un véritable kiff et un véritable bonheur. On est parti pour une toute nouvelle planète. Et vous savez quoi? Oh pardon, excusez-moi, je me suis trompé de touche. Je voulais qu'on change un petit peu l'armure. On avait débloqué des armures potentiellement sympas. Donc, on va voir un petit peu ce qu'on a eu. Alors, déjà, on a eu un casque Ranger Galactique, d'accord? Donc, un casque acquis qui augmente les dégâts au corps à corps de 5%. On a eu ce casque-là, pas de bonus, et on a eu cette tenue entière, dégâts sur les sbires de Nefarious, réduit de 20%. C'est quand même assez insane, en vrai, pour le coup. Donc, on va essayer pour voir ce que ça donne. Oh, j'aime bien, mais j'ai tellement envie de voir leur bouille à chaque fois, je peux pas mettre ça. On va mettre juste le bas et le haut de corps, mais on va pas mettre les têtes. Mais non, mais je veux voir leur bouille, on est obligé de voir leur bouille, sinon c'est très embêtant. Donc ça, c'est fait. Est-ce que d'ailleurs, mais bien sûr qu'on peut changer la couleur. On a quoi de beau? On a quoi de beau? Bougez pas, vous me connaissez, j'ai des goûts littéralement insane. On va se trouver une petite tenue très sympa. Et si en commentaire, vous voyez une tenue vraiment cool, criez, hein, bien évidemment, derrière votre écran. On va pas aller dans le cliché de parce qu'on joue une non-bax que ça doit tout de suite être rose et blanc. Par contre, en vrai, ça, j'aime bien. J'aime beaucoup parce que ça va avec mon bras mécanique. Donc, ça me plaît. Hop, on va les remettre. Et c'était... marié à celui-ci. Incroyable. Eh, c'est pas mal du tout, ça a de la gueule, ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Jugez ma tenue en commentaire, s'il vous plaît. Tu as trouvé un boulon en or? J'en ai pas trouvé qu'un, petit. Chacun de ces boulons te donne accès à une récompense spéciale ou une triche.
Ah! Bah oui, mais nous, on veut pas tricher. On veut pas tricher. Si, on veut tricher. Vous voulez tricher, vous? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que c'est que ça? La déco de clé. On n'a pas, c'est débile. Attendez. Activer la récompense? Chewing-gum. J'ai pas compris, en fait, là, le petit projet autour de tout cela. On va mettre en or, ok. Je suppose que c'est... Ah non, déco du marteau. Bah, on va mettre en or. D'accord, c'est en ordre. Applique une déco au marteau de rivet. D'accord, ok. Rebelle, c'est donc bleu. Et ben, on va mettre en or, c'est-à-dire avec notre tenue. Galerie améliorée. Et qu'est-ce qu'on a là? Remplacer les boulons à ramasser par d'autres objets. On peut le remplacer par une canette, par un rubis, par une sorte de bouton ou une orbe. Bah non, c'est très bien, c'est très bien. D'accord, bah c'est bien sympa ça. J'aime bien. C'est très sympa. Tu as trouvé un robot espion de la Résistance. Chacun contient des infos top secrètes que tu peux écouter. Il renferme également des données de recherche sur une arme. Trouve-les tous et Mademoiselle Zurkon te fabriquera cette arme ultime. Malheureusement, on n'en a trouvé qu'une. Et ça, pour l'instant, on n'en a pas toujours... On n'en a toujours pas, excusez-moi, du peu trouvé. Très bien, bah écoutez, on est bien. Regardez normalement. Voilà, j'ai bien le marteau en or. Avec la tenue, franchement, ça claque plutôt pas trop mal. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup. D'ailleurs, on peut même peut-être, si je puis me permettre, noter ma tenue, hein, au global évidemment. Faire ceci, ceci, ceci et... Ah ouais, mais c'est rouge. Mais ça peut le faire, ça peut le faire. Ça peut le faire. Notez-moi sur 10 un peu cette tenue. Et bon, on verra à l'avenir ce que ça va donner. Bon, s'il y a un endroit où on peut trouver la pièce qu'il te faut, c'est ici. J'espère que tu as raison. La destruction du dimensionnateur semble avoir causé une sorte de cataclysme dimensionnel. Si je ne retrouve pas Ratchet... T'en fais pas, Boulon. On va te réparer ça. Promis. Ok. Alors là... Qu'est-ce qu'on a là? C'est un coup à se retourner le crâne, ça. Hein. Ça va être terrible. Hein. Attends, qu'est-ce que c'est que ça? Très bizarre. Oh là 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 là. Ouais, ça va nous retourner la gueule. Hein. Ça va littéralement nous retourner la gueule, à mon avis. On verra un petit peu plus tard. Rien d'autre à faire. Par ici, très bien. Bon, on a déjà quand même quelques boulons en or. 5 sur 25, c'est plutôt cool. Sachant qu'il m'en manque un sur la planète d'avant. Bonsoir. Regardez, regardez le côté RTX, à quel point c'est giga stylé, j'adore. Là, on a quoi, là? Ah, là, on peut se casser la gueule. On n'a pas encore déployé de potentiel chemin. Ça, on prend... C'est bon, ça. Ça, on n'a pas déployé le chemin. Bonsoir, messieurs. Oh! Très bien. J'adore ces endroits-là. Je kiffe de ouf. Alors. Ok, ça, on va te casser. Non? Les boulons, je les perds? Très bien, ça. Ok. Ok. Très bien, alors forcément ça va devenir de plus en plus complexe. Qu'est-ce qu'on a là? Pourquoi c'est très bizarre? J'ai eu chaud. Wouh! Ok, on a eu très très chaud, mais on est là, on est bon et on l'a notre armure. Let's go! Nouvelle partie d'armure. Ça, c'est... fait, honnêtement, on verra à la fin exactement ce qu'on a débloqué pas avant. Ok, bon, on a des caisses juste derrière qu'on va évidemment prendre. Aucun souci, aucun souci. Et là, comment on retourne là-bas? Quel, ça me surprendra toujours, mais je kiffe toujours autant. Let's go, on revient dans le fond. Oh là là, ce... changement d'univers sans transition, incroyable.
toujours un kiff, évidemment. La recette de citronnade de mort qui avance tout doucement. Bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est quoi, c'est une station-service, en fait, ça? C'est pas qu'un débarras, j'ai bien l'impression, des devoirs. Ok. On a Madame Zurkon. Elle a peut-être quelque chose pour nous. Oh, attends. Oh, incroyable. Bon, on lui fait tard. Eh, c'est bon, elle l'emmènera pas au paradis, un paratonnerre. Mais qu'entends-je ? Serait-ce l'orage ? La pluie ? Non ! C'est le paratonnerre ! Achevez-les pour projeter l'éclair en direction de leurs affreux coéquipiers ! Améliorez le paratonnerre pour charger une tempête de souffrance encore plus dévastatrice ! Complètement cinglé. Ça a l'air pas mal, ça. Vous en pensez quoi, là-haut? Ça a l'air plus que pas mal, même. Bah, c'est Allez, c'est dans la poche, mon petit pote. Ça, c'est fait. Paratonnerre, on peut l'améliorer. Bombe à dispersion. Mais c'est surtout qui va m'intéresser ceci. Voilà, on est parfait. Tirs perforants, les tirs perforants, tous qui trouvent sur leur trajectoire. Et qu'est-ce qu'on a là? Bougez pas, Snoop Doggy Dog augmente la portée des tirs. Ça, ça me paraît vraiment pas mal aussi, hein, quand même. Hein. Augmente la zone d'effet. Bon, autant vous dire que mon exécuteur, il va swinguer. Le train des améliorations doit s'arrêter là. Et là, on est à 100%. Oh là là, pas mal, pas mal, pas mal, pas mal. C'est quoi celui-ci? C'est mon giga laser. Et ça, c'est les grenades. Je suis pas fan des grenades, donc vous savez quoi, le paratonnerre, on va le mettre ici, tout simplement. Et comme ça, on verra un petit peu ce que ça donne. Là, j'ai que... Ah ouais! Ça me plaît beaucoup, ça. Ça me plaît beaucoup. Ça me plaît beaucoup, ça perfore un maximum. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, mais matez la qualité du... Oh. Mater cette... Oh, il y a un truc là-haut. C'est genre ouf, quoi. Pour vraiment vous rendre compte, je fais des arrêts subis sur image. Sur vos télés, vos moniteurs, ça doit être exceptionnel. Mais réellement exceptionnel. Oh là là, dingue. Non, mais on est là pour kiffer. C'est ce qu'on veut d'une aventure exotique. On va en prendre plein tu la gueule. Tu viens souvent dans cet endroit? Ouais, très souvent. C'est une sorte de refuge pour les membres de la Résistance. J'espère simplement que l'Empereur n'est pas au courant. Pas le droit aux armes. Ah! C'est embêtant. Bienvenue chez Zurki, l'arène bistronomique nouvellement interdimensionnelle. Je vous débarrasse de votre manteau et de toutes vos armes. J'ai trouvé un... Je crois que j'aurai toujours du mal à m'y faire. Merci de votre visite chez Zurki où on se massacre avec le sourire. On se massacre avec le sourire, très bien. Zurki est derrière le bar. Il saura où est le pirate qui détient l'amplificateur. Oh là là, matez la qualité, s'il vous plaît! C'est incroyable! Et si nous parlions à Zurki, je souhaiterais réparer mon communicateur au plus vite. Attends, mais je ne sais pas où il est, mon frérot! Oh, oh. Namasté, que la paix t'accompagne, Rivette. Dis, Zurki, t'aurais pas vu notre capitaine en second préféré dans le coin? Il a mon amplificateur de... Tiens, si ce n'est pas ma petite chérie. Donne-moi l'ampli. Tu m'as suivi jusqu'ici? C'est encore un effort désespéré pour gagner mon affection. Donne-moi l'ampli, Pierre. Combien de fois dois-je te répéter que mon cœur est déjà pris? Franchement... Pete. Le rouillé? Le rouillé? Ah, morbleu! Ton ami a la langue bien pendue! Mon nom est... Pierre le Fer! Pirate extraordinaire! Je te propose un duel! Chez Zurki, la violence est interdite! Battez-vous dehors! Je préfère l'amour à la guerre. Mais pour toi... Je suis toujours disposé à faire une exception. Prêt à lui reboter le derrière? Ce genre de question me laisse perplexe. Mais pourquoi pas? Où sommes-nous censés nous inscrire? Inscris-toi à l'arène. Sur ce grand mur vitré, là-bas. T'inquiète, okay. Je vais te montrer. Oh, je veux faire de jeu, moi, là, du rodéo, là!
Je veux faire du putain de rodéo. Ok, on va s'inscrire et on va lui casser la... What? Ok, oubliez pas qu'on est en difficile, hein. D'accord. Ok, bronze, comité d'accueil. On doit s'inscrire pour affronter ces pirates. T'inquiète, je l'aurai, cet amplificateur. Go. Oh, tellement stylé. Mes très chers amis, bienvenue dans l'arène de massacre de Mini-Jurgon. Êtes-vous prêts à assister au plus palpitant des carnages? Ce soir, il fait la fin de l'arène. Ok, là j'ai toutes mes armes. Un mort. Donc là, je rappelle que c'est le niveau le plus facile, hein. Très bien. Oh non. Pourquoi toutes les dimensions ont-elles forcément une arène de combat? Très bon ça. Vague 1 terminée. Ok, c'est par vague. J'aime bien ce genre de jeu. Et vous savez qu'on peut en faire une vidéo rien que de ça pour tout débloquer, hein. Vous connaissez maintenant, je suis capable de tout. J'aime le challenge. Ok, ça nous permet d'améliorer par la même occasion. Wouh! Bien joué à vous, bien joué les gars. Très bon ça, let's go. Niveau supérieur. Ah ouais, ça se disperse tellement moins. Let's go, vague 2 terminée. Ok, on va améliorer mon truc d'éclair. Vague 3, ça commence à être un peu plus corsé. Je rappelle qu'on a augmenté, évidemment, le niveau de difficulté. Et qu'on n'est qu'en débutant. Au début, ça paraît très très simple. Mais je pense qu'on est, si je puis me permettre, pas non plus sorti de l'auberge. Très bien. Ça monte très doucement l'XP par contre. Et ça, c'est assez terrible. Attends, il y a combien de vagues, mon ref, là? C'est 5 vagues? Attends, on est où? On est en Australie ou quoi pour avoir autant de vagues? Excellent, j'adore l'humour. Ok. C'est bon. Très bon. Ah, le capitaine peut vraiment être fier de son équipage. Oh là là, je suis hyper focus, excusez-moi. Je t'envoie des bordels. Attention. Attends, je vais peut-être garder quelques munes parce que s'il y a un boss, je risque de me faire un petit peu entuber, si vous voyez ce que je veux dire. Ok, c'est toujours pas fini. Vague 5, sûrement la dernière vague. Eh, c'est qui que vous butez là? Oh, ok. Très bien. Bien joué. Oh là là, je suis déjà low HP. Ça va être tellement chaud après. Wow. Oh, je crois que je vais pas nu. Je vais pas assumer ce niveau de difficulté, les potes. Ok. Très bon ça. Wouh! Très bon ça. Let's go. Ok. Premier niveau c'est fait. On a gagné des bots. Méca pirates. Jambière. On va avoir du boulot les amis. On va avoir du boulot. Et j'ai bien envie déjà de repartir dans le niveau suivant. Sacre bleu. Oh, je me suis foulé là.
la cheville. Mais n'ayez crainte, ma doublure beaucoup moins séduisante se battra à ma place. En forme. Ok. Ok, je lui casse la gueule là ou pas? Pas facile. Val? Oh, je lui envoie des bordels. Attendez, mais c'est hyper chaud pour un mode débutant. C'est pas parce qu'il est quasiment KO que tu vas pas. Quoi? Toujours avoir un œil sur lui, c'est terrible. Waouh. On va mourir. Oh non, on est mort, je comprends vraiment pas. Let's go. Oh, ça va être tellement dur. Trois raritanium. Ouh, ça va swinguer. Un jour, j'aurai ma revanche et ce sera spectaculaire. En attendant, voilà. Oh. Et voilà, je suis la meilleure. Ratchet, est-ce que tu m'entends? Clank, est-ce que ça va? Où es-tu? J'ai vu la Lombax t'attraper. Je vais bien. En fait, je suis avec la Lombax. Salut, je suis Rivette. Quoi? Salut. Ça c'est... Bon, attendez, ok, j'ai quelque chose à vous dire. Le docteur Nefarious s'est proclamé empereur de cette dimension. Il sait quoi? Non, j'ai déjà assez à faire avec mon propre Nefarious. Eh ben, justement, on doit le renvoyer chez nous, et nous avec. Mais... sans le dimensionnateur... Je crois que nous devons en fabriquer un autre. J'ai rencontré un prophète de Savali appelé Gary. Il saura sûrement comment faire. C'est juste à quelques secteurs d'où je suis. Je peux aller jeter un œil. Et nous, on fait quoi? Y a-t-il une planète appelée Blizzard 1 dans cette dimension? Oui. Pourquoi? Nous y trouverons du quartz phasique pour alimenter le dimensionnateur. Si j'ai raison, nous disposerons alors d'un nouvel appareil en un rien de temps. Alors on ferait bien de s'y mettre tout de suite. Content que tu ailles bien, mon pote. Toi aussi, Ratchet. Sois prudent. Surtout. Waouh. Un autre Lombax. Allez, mettons-nous au travail. Ah, il y a moyen qu'on ait été grillé. Oh, il y a une bande d'arcade là, les gars. Ça joue à quoi? Ah, putain, c'était les mini-jeux de Super Quack là, ou je sais pas quoi. Oh, c'était trop bien ça. C'est vrai qu'il y avait plein de mini-jeux. Oh, j'espère qu'ils ont rajouté du mini-jeu. Honnêtement, une ou deux bandes d'arcade, histoire de rajouter un ou deux mini-jeux, ça serait assez cool. Battre l'équipage, éliminer François, éliminer 25 mercenaires en utilisant que l'exécuteur. Donc c'est 5000 boulons et donc, contre la montre. Ok, boucle le parcours pour Scarapide. Évidemment. On aura un boulon en or, on va le faire. C'est plein de mini-jeux là, c'est trop bien. On va le faire et on clôturera l'épisode. On continuera notre aventure dans l'épisode 7, évidemment. Très bien. Notre Lombax pour atteindre un danger plus mortel. Ok. Les marécages d'acide hautement. Ça a l'air faisable jusqu'ici. Faisable, mais peut-être pas évident. Oh, c'est tellement stylé.
Tout est tellement génial. Si je peux pas contrôler les dimensions. Oh là 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 là. Matez le changement de niveau. C'est bon, ça passe, ça passe. Ah mais non, mais les trucs explosifs, c'est chelou en fait. Non ? Je sais pas. J'ose pas tenter, je vous avoue. Ok. Oh là là, c'est trop stylé, on traverse des plaines. Oh là 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 là. Mais ce jeu, s'il vous plaît, il est fou. Non ! Bah non, fallait pas. Bah ouais, mais tout à l'heure, c'est... On s'en est bien sorti. Ah non! Je suis sûre qu'on pourrait gagner la coupe de bronze. J'ai le seum! J'ai le seum! Allez, on est reparti! Mais tout à l'heure, j'ai pris des trucs explosifs, ça m'a donné les bonus, mais ça m'a rien fait d'autre, c'est terrible! Bon, bah, on peut pas les toucher. On a notre réponse au moins, fallait faire cette erreur au moins une fois. Allez, c'est parti! On va découper tout ça. Je peux pas être aussi mauvais, si, je peux être aussi mauvais, vous croyez? Je peux vraiment être aussi mauvais là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? On est bien sorti. Non, on s'en est pas bien sorti. On pourrait gagner la coupe de bronze avant. On s'en est pas bien sorti, mais qu'est-ce qui s'est passé? Allez, on est reparti, essai numéro 366. Non, pas du tout, essai numéro 3. Cette fois-ci, je sens que c'est la bonne. Allez, go. Ah, d'accord, donc à chaque fois, tu as 10 secondes. Ok. Très, très bien. Donc là, par exemple, on a 12 secondes et en fait, il y a du bonus de temps qui s'ajoute à chaque fois. Ok. Oh là là. À mon avis, à la fin, ça va être tellement Redos à choper. Ok. Putain, là, j'ai eu chaud pourtant la dernière fois ici. Incroyable. Ok. En plus, j'adore ce système de... Les petits jeux comme ça, un peu contre la montre et tout, j'ai toujours eu. 9 secondes. Dégagez les potes. Ok. On ne s'arrêtera donc jamais. Oh, mais c'est pas trop bien fait. Non, c'est incroyablement bien fait. Moi, j'adore. Oh, mais on était déjà venu ici. On était déjà venu. Et encore, vous avez même pas le ressenti de la manette dans les mains. Hein. Okay. Easy. Easy, les potes. Un mini-jeu de fait. Et ça fait un boulon en or. What a récompense. Ça, c'est fait. Très bien. Là, on peut gagner... on peut gagner 5000. Ça, je ne sais pas c'est quoi. Bah, vous savez quoi? On va le faire. Comme ça, on va débloquer le dernier. Là, on est dans le mode débutant. Hein, et dites-vous qu'il y a un mode normal et mode difficile. Alors que le jeu est en mode difficile. Bon, je sais pas si vous m'avez compris, mais moi, je me suis compris. C'est le principal. Ok, qu'est-ce qui se passe? Ah! Ah oui, d'accord. La foule a l'air d'apprécier. Ok. Très bien, j'ai compris. C'est bon, c'est fait? Wouh! Dégage. Oh non. Comment fait quand on a plus de balles, les potes? Ok. Oh la vache. Quoi? Oh, c'est chaud. Donc après, il y a les mecs, mais version volant. Je suis sûr qu'on pourrait gagner la coupe de bronze avant. Est-ce que c'est faisable? On va réessayer une dernière fois, voir si c'est faisable. Oh, celui-là, il est chaud. Celui-là, il est tendu. On va l'essayer quand même. Ok. Très bien. Oh non, ça c'est salaud ça. Très bien. Oh là là, ça c'est salaud aussi. Ok. Très bien.
Très bien. Oh non, 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 non. Non. Oh là là, ça va être tellement chaud. Ok, on va pas y arriver. On va pas y arriver dans cet épisode. Je pense qu'il faut clairement que j'améliore. Il faut que j'améliore mon pompe, en fait, pour pouvoir réussir ces quêtes, parce que là, c'est clairement pas évident. Eh ben écoutez, on reviendra sur cette planète, on a beaucoup de mini-jeux, et très très fun en plus, et j'ai pas envie de saouler avec toujours les mini-jeux, les mêmes mini-jeux, pardon. C'est pas très intéressant pour vous. Allons sur Blizzard, je suis sûr qu'on peut y trouver du quartz. Ouais, je veux bien aller sur Blizzard, mais là, on a un problème, là, attends. Où est l'entrée, où est la sortie, que se passe-t-il? Mais si ton Zircon... Pardon, ben. Zirki est non-violent, pourquoi gère-t-il une arène de combat? Eh ben, disons que c'est une affaire... Un instant. Je te trouve bien silencieux, là, derrière. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peut-être un peu sous-évalué la difficulté de fabriquer un dimensionnateur. Un petit peu. Ouais, enfin, on savait tous que ce serait pas une mince affaire. Certes, mais le quartz phasique est... Un des matériaux les plus rares et précieux de tout l'univers. Je vois. Tiens, quel agréable. Ok, alors... Oh, mais non, mais ça s'arrête plus. Oh, le bordel. L'excavatueuse, notre plus belle race d'attaque. Appuyez sur la gâchette de tir à moitié pour verrouiller cette adorable lance-roquette souterraine sur votre vilaine cible. Appuyez à fond pour tirer. Améliorez-la pour verrouiller encore plus de cibles. Ok, bon, j'ai pas assez d'argent, mais bon, pourquoi pas. À l'avenir, là on a un problème. On a un problème, c'est l'exécuteur. Il faut impérativement que je l'améliore. Voilà. Les tirs infligent des dégâts répétés. Et ça, c'est beaucoup mieux. Parce que honnêtement, j'en prenais plein la gueule. C'était assez terrible. Et là, augmente la portée des tirs aussi. C'est capital si on veut réussir dans l'arène. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aimer le commentaire. J'espère que cette vidéo incroyable vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la suite de notre aventure. Et bisous tout le monde. Ciao, ciao.